19 décembre 2022, peuple haïtien jou kè sote a, et bien justement presque rivé. Le 21 décembre k'ap vin la, Conseil sécurité des Nations Unies a réuni justement pour prendre une décision définitive sur ce qui a passé dans la Coupe d'Haïti, surtout dans ce qui est pour avec de ces sanctions. Nouvelle ça pas fait monsieur bien du tout. M'a pas menti. Le monde questionné démarche Conseil sécurité des Nations Unies quelque part. Dans un premier temps, tout le monde voit que c'est eux-mêmes qui ont voté plusieurs résolutions. Parmi les résolutions 2645, qui n'ont pas jamais rentré en application, nous voyons qu'ils ont passé, ils ont sauté normalement. Résolution 2645, ils ont tombé sur résolution 2653. Ça veut dire qui ça? Et tout le monde connaît clairement. Si vous avez mis en application résolution 2645, le Conseil régional Boulos n'a pas encore déjà peu ici. Si vous avez mis résolution 2645 là, justement en application dans toute l'égalité, le Conseil Dimitri ne va pas aux États-Unis toujours pas haïtien. C'est de ces sanctions justement qui va avancer. Mais en pile que sauter, quelque part, il y a un pile nègre dans le pays d'Haïti qui sont listes comme moun qui prennent le code. Surtout que les nègres qui ont sanctionné, justement qui participent dans le droit. Papa nous menti ou ka yo capable prendre code dans jour que pour venir là yo et ou capable dire débarquer dans pays d'Haïti vinn prendre ça yo monter États-Unis d'Amérique ensemble avec yo nous deux konn non yo oui dans émission ça va konn non yo. Toujours dans ce qui est pour avec le régime de sanctions peuple haïtien. La Suisse que nous connaissons, la Suisse qui a saisi l'argent, et bien justement Jean-Claude Duvalier, t'as le serré dans le pays la Suisse là. Et bien la Suisse nous connaît dans question bagaille, dans question bagaille la banque. La Suisse c'est une référence. C'est un côté que, en pile nèg de pour serrer l'argent là, l'argent sûr. Et bien justement, la Suisse dit comme ça que l'a adopté et justement l'a mis en application le régime de sanctions que le Conseil de sécurité des Nations Unies a voté. Il a pris sanction contre une série de criminels assassins qui financent gang et qui n'ont gang dans le pays d'Haïti. Mais quelque part, il y a des gens qui ont mentionné Jimmy Cherise Barbecue, ils ont dit qu'ils ne peuvent pas rentrer la caillou, tout le monde connaît ces blagues. Mais justement, côté que vous parlez, tout le monde connaît côté que vous parlez. Tout le monde connaît que vous avez des gros voleurs, criminels assassins qui ont détruit le pays, qui ont volé dans le pays, qui ont brouté l'argent par Doum à le serrer dans la banque en Suisse. Et bien, je dis là, nèg sa pral pa gen accès avec l'argent sa yo. Nèg sa pral pa ka monter soit 40 yo. Nèg sa pa gen accès avec série de gros l'argent que yo serré dans pays ça que nous pral partager ensemble avec nous là. Mais justement ça nous doit connaître. Gen de nèg là, situation pral extrêmement difficile pour yo. Qui ça fait ça? Parce que nèg yo fait business gens que nous connaissons. Yo vole l'argent pays ya, yo serré à l'étranger. Et mais jodi ya pa gen possibilité pour que nèg sa yo al gen accès avec l'argent. Gen un journaliste dans le pays d'Haïti, n'ap cité non li, c'est Esaü César. Esaü César font déclaration, tête chargée, mais pendant toute semaine qui se passe normalement, tout week-end, nous te faire aller sur li et nous te baye, nous te faire quelques analyses ensemble avec nous, pour nous permettre de nous comprendre, sorti que le commissaire gouvernement au Cala te fait à qui c'est Ronald Richemont. Effectivement, peuple haïtien, il y a des informations qui commencent à circuler là, comme quoi que, il y a des nègres qui prennent code dans le pays d'Haïti. L'important pour tendre, déclaration Esaü César, pendant 2-3 minutes, avant que nous rentrions dans ma actualité, parce que dossier en pile, nous avons des dossiers de kidnapping que nous allons traiter ensemble avant là. Nous avons des dossiers de gang que nous allons traiter ensemble avant là. Nous avons que ce bagaille et note que coalition d'assassins qui est dans le secteur privé a te sorti ya que nous parlons pas ensemble avant là. Nous qui sorti PM Claude Joseph pral fait dans jour qui pour venir là yo que nous parlons pas ensemble avant là. Nous qui dernier sorti que PM Claude Joseph saute fait dans pays Canada qui va en pile tête chargé dans cas assassin yo que nous parlons pas commenter ensemble avant vous parce que nous gagne pile information sous point ça yo pour. Mais tout d'abord, entendez ça pour tendre si pas quelqu'un soutenir la République. Écoutez bien. Gen moun ki pa nan bakod? Oh!
Nous connaissons. Mais ça, c'est ça. Monsieur Hervé Foucault sera bientôt sous les rues. Comprenez pour moi, sorti. Est-ce que le mandat a été exécuté parce que je suis au mandat? Hervé Foucault, pas qu'à sortir de la Louvre-Lézir. Depuis que l'industrie a commencé dans le gros business, les États-Unis d'Amérique, par le biais de la DEA, te mettent les gens dans toute activité que j'ai menée. Sorti là. Nous connaissons. Nous prenons le connaître qui choye. Hervé Foucan, Ronnie Célestin. Yon se sénateur et yon sénateur en fonction. Gen pile moun kap questionne si Sénat de la République haïtienne kapap gen moun sa ou la dan. Et bien yon comprenne que pas la jem gen possibilité pour yon jeune qui propre, qui honnête. Tap jam gen accès pour que le rentre dans politique dans pays d'Haïti. En pile moun dit ça. En pile moun comprend raison qui cause élection toujours coûter toute l'argent dans pays d'Haïti. Parce que dans moment élection rivé, c'est tout volo, c'est tout gang, c'est tout criminel, c'est tout assassin effectivement qui prend la rue. Gen en pile moun qui dit en pile bagaille de Ronnie Célestin. Comme quoi que son nèg qui nan drogue. Qui n'a tout zak malade. Mais justement, États-Unis d'Amérique viennent confirmer. Ils ont dit qu'elle n'a pas de drogue. Mais ça qui est important pour qu'elle connaisse tout. Si États-Unis d'Amérique a mis non nèg qui n'a pas de drogue sous liste, why moi yon poko j'aime mettre Accra, Marc-Antoine Accra qui te fait débarquer, alors qui te fait rentrer, yon bateau cocaïne dans le pays d'Haïti, dans Port-au-Prince. Et que DCPJ même, t'es qu'un bateau ça, sous forme que soi-disant, c'est ton bateau succulent, c'est d'apprendre le pays, tout le monde devine où est, c'est ton bateau cocaïne. Yon bateau cocaïne. Moi comprenne que tout drogue dealer doit être traqué jusqu'à dernier retranchement. Mais écoutez, tout baron, tout criminel, tout assassin, tout gang qui soi-disant dans le secteur économique là, yon en drogue. Yon en drogue. Et Accra, moi-même, l'homme, Accra, pour que son lisse, ça lui étonne, l'homme, c'est Ronnie Célestin, yon prend. Si Ronnie Célestin, ta nan drogue, li pa pi gros baron drogue dans le pays d'Haïti. Si yon ta pren moun pour drogue, m'pense yon ta pren Aristide tout. Vye ti que moun fini senti ça. Est-ce que vous nèg vob yon, m'pense yon en drogue. Mais m'pense yon wè. Je m'arrive vob, pacha vob. Sous liste de sanctions comme nèg qui nan drogue. M'poko wè, yon mentionné, alors mentionné, la famille Andal, groupe moun Andal yo, nèk bossan yo kap blanchi l'argent dans pays ya nan yon du bank. Comme nèk ki nan drog, m'poko wè yon mette nèk sa ou sou lis. Quelque part, m'ap questionné, est-ce que maman Pemba, paye pote ya, ap tombe le 21 ou du moins 28 décembre kap vin la? Est-ce que c'est ça que vous réservez pour nous? Est-ce que c'est cadeau Noël ça que vous réservez pour nous? Parce que moi-même personnellement, moi je crois que ce cadeau ça l'a fait nous bien. Moi je crois que ce cadeau ça l'a fait nous bien. Ce cadeau Noël ça, l'important pour nous gagner. 21 28 décembre kap vin la ap gen pile causé. D'après information que nous gagné ti flit kap flite là effectivement gen pile bagay ki pa parler. Mais ça qui est important pour le moment. Régime de sanction la PD. Mais sauf que Jean Canada fè là. Mon gros Jacques Moel très mal. Parce que me senti que gen influence politique là dedans. Position ambassadeur Canada en faveur groupe nèg qui travaille pour la famille Vob dans le pays d'Haïti, à savoir Jacques Kilimak, ça vient faire me sentir que sanction pays Canada, les gens biaisés, je ne comprends pas. Bien que dans pile nèg que yo sanctionné,
C'est des voleurs, des kidnappeurs, des câbles l'argent qui ont livré. Mais l'important, dans le niveau de ce qui arrive là, je que Laurent Salvador Lamotte te dit, faut que Canada vienne avec des preuves tangibles que vous dites au gagnant. Preuves irréfutables que vous dites au gagnant, faut que tu mettes sous table là. Rendez public, Laurent Lamotte m'a dit ça. Canada ou pas juste sanctionner. Et pour qu'il y ait des dossiers, et puis quelque part pour mon nom qui était comme ça avec nous, si tu es dans le bagage, lui-même personnellement qui est indexé, lui mando pour venir avec des preuves ou pas jamais venir avec des preuves. Ça, faut que nous exigeons ça tout. Oui, le régime de sanctions a facilité nous, considérer avec criminels assassins qui ne pas dans la politique de pays encore. Mais honnêtement, faut que nous connaissions degré d'application, il faut que nous connaissions Lambert qui a 20 ans. La prendre drogue dans le pays. Faut dire nous tel cargaison, tel jour, tel date, telle année, telle façon, mais qui va, mais qui moyen, mais pas qui moyen te toucher comme là, mais pas qui moyen t'acheter cocaïne, non. Il te fait notre médaille. Faut que nous venions avec toute preuve ça en détail. Ou dit Matéli dans gang, non. Ou venions avec toute preuve tangible, bien que nous connaissons la gang. Vrai. Mon preuve que dans mon lan, il documenté, venions avec la population. Et c'est ça qui est important là. Peuple haïtien, nous prenons parler qui choisit, oui. Parce que le dossier en pile. Jeudi à nous 19 décembre, pardon. Et mes amis, nous avons le jeudi à 19 novembre. Nous avons fini sur nous, malheureusement. Et je dis nous bonjour, bonsoir tout le monde. Dépendamment de qui côté qui l'heure, vous attendez nous et vous regardez nous. Encore une fois, Jean que nous connaissons. C'est toujours un plaisir pour moi pour que nous sommes avec nous. Ça a vraiment fait du bien. À chaque fois que me connais, je viens parler du moment ça avec nous et que me connais, nous allons réagir exactement avec les commentaires. Alors, c'est là que nous avons dit tout ça que nous pensons. Mais oui, tout ça que nous comprenons. De ça qui dit. L'Académie Panouan qui passait sous plateforme Panouan, qui est plateforme YouTube, Info Bertoa. Et je dis, il est important pour que nous-mêmes captendons, nous-mêmes captendons l'émission ça, qui s'est formée dans mes plateformes, non. Et bien, il est nécessaire pour que nous partagions l'émission ça sur tout le groupe WhatsApp, sur tout le groupe Facebook, pour nous faciliter plus de monde et capable de participer ensemble avec nous dans l'Académie ça, dans le travail ça, justement, qui fait sous plateforme ça, qui est plateforme YouTube. Info bientôt parce que c'est extrêmement important pour que nous-mêmes captons de là pour que nous facilitions l'émission ça capable river jeune tout le monde même criminel assassin yo et c'est important pour que vous fassiez émission ça river jeune yo parce que cœur sauté a effectivement il y a jeune né parce que monsieur pas veut la vérité parler mais effectivement dit monsieur yo c'est seul l'en mourir justement pour ne pas sauter ça encore pour nous suspendre parler tout autant que là n'a parlé et moi crois que route que Jovenel Moïse tape fait avec ça que le tape dit, justement ça que nous trouvons là, les deux paroles, ça doit continuer à parler. Décision, ça doit continuer à prendre. Action, ça doit continuer à poser. Qui cause, cap cause effectivement, pays à soutenir ça que le trouve là, le sa criminel ça yo, pas gagner le leadership pays à dans encore. Parce que je dis, si Jovenel Moïse pas mené pays à bon port, qui pat en faveur des minorités, zut violent ça, il va tape tout elle. Si Jovenel Moïse t'accepte pour te rentrer dans un compromis avec monsieur même Jacques Matéli, il va tout elle. C'est parce qu'il te on va que le tap fait concrètement pour pays pour majorité pour nous mêmes haïtiens qui vivent à l'extérieur pays ça que nous tout parce qu'il n'y a pas de compétition ni dans business ça nous pas brûler le commerce là ni dans politique dans pays parce qu'on connaît que crème haïtien yo haïtien qui bien formé yo haïtien qui bien posé haïtien qui pas dans grand qui pas dans misère qui pas dans chômage yo haïtien qui travaille qui réussit économiquement yo yo à l'extérieur pays pour yo facilité pardon pour que vous soyez capable de réfléchir pour 10 ans, pour 15 ans, pour 20 ans. Ça veut dire que Haïtien, ça y est, c'est l'avenir du pays d'Haïti. Mais vous n'avez aucun avenir du pays à l'extérieur du pays. Vous utilisez la violence pour faire mon peur rentrer dans le pays. Vous utilisez le kidnapping. Tout le président boule le pays, faire des choukailles pour faire tout le monde peur du pays. Vous même sont capables de seul baron rentrer dans le pays. Et bien, nous-mêmes qui voyons ça, nous disons Jovenel Moïse, tu n'as pas attaqué le dossier ça. Justement, dans la matrice, li. Et maintenant, Kembel, jusqu'au bout, parce que je dis à la, c'est la vérité seulement qui est capable de payer d'Haïti, sauf dans sa gueule de là. La vérité dans sa gueule pour eux. Avec 2 millions de monde, 2 millions de manchettes. N'a pas j'ai pris Syriens, Libanais, Palestiniens, criminels Sao, qui prend Petionville là, en otage là. Parce qu'il est extrêmement important, je dis à pour les immigrants Sao, qui violent, qui a tout le peuple, qui a fait kidnapping dans le pays, pour le pays. On accepte pour devenir dans le pays, mais finalement, nous avons que c'est les gens qui pays comme des kamikazes, comme des assassins, comme des criminels notoires. Mais de fait, je dis à peuple haïtien, nous avons foutu éradiquer dans le pays parce que les gens
yo pas droit vivre dans pays encore parce que c'est des criminels autant que yo yo pas fout haïtien yo pas gagner pour avec Haïti yo pas remet pays yo pas remet nous même comme haïtien nous doit gagner ça dans crâne nous mais si yo pas remet nous si yo te remet nous garantis nous pays pas habitat que trouvé là et qui a volé l'argent au pays yo pas investir dans pays il va l'investir à l'étranger yo volé l'argent pays là yo vient investir 1,9 milliard alors 600 millions de dollars américains dans l'immobilier dominicain. Ou a crasé Haïti, ou a vint construire la Dominicanie. Son méchant, c'est ça. M'pas de problème avec investisseur capable d'investir l'argent quelque part. Mais justement, l'on a détruit un pays qui a volé encore blanc et ou a investi dans l'autre pays, ça veut dire qu'on pourra y payer. Ou a ou la toujours, ou pas avec la toujours. Et je dis, tout gang ça yo, tout criminel ça yo, faut que football talon dans le pays. Et nous pas besoin de bidjo, nous pas besoin de boulos, nous pas besoin de vob, nous pas besoin de gang ça yo, de terroriste, de criminel ça yo, de sanker ça yo dans le pays encore. Nous pas foutre besoin yo. Nous avons assez haïtiens. Si haïtiens dans la diaspora, capable de contribuer chaque année pour voir plus passer 4 milliards de dollars américains dans l'économie du pays, nous pas foutre besoin de Syrie, Libanais, Palestine, de gang ça dans le pays. 4,5 milliards de dollars américains, imaginez-vous. Nous avons fait gros kishoy dans le pays. Diaspora haïtien a fait construire le pays d'Haïti, oui. Imaginez-vous, ou imaginez-vous, pardon, plus passer 4 milliards de dollars américains. Si nous disons que nous allons organiser nous là, nous allons procéder de côté dans le département nord, nous allons construire des zones résidentielles. Nous allons construire des zones normalement pour que l'homme nous ait envie de partir dans une zone où nous allons habiter. Il y a une belle caille, un bel appartement où nous habiter. Belle piscine, belle lac artificiel, comme si des méga projets. Diaspora a un cop pour faire, oui. Millions à parler, oui. L'on parle de millions, on parle de mille millions, oui. J'espère qu'ils sont capables de contribuer avec un pile d'argent pour aider Haïti sortir dans la saleté, dans la fatra, dans la boue. On nous repenser Haïti pour 15 ans, pour 20 ans. Ou reconstruction pays d'Haïti, ça, l'a commencé à partir du 1er janvier 2023 qui vient dans quelques jours. Mais faut ne pas peur mourir. Faut ne pas peur tout criminel du tout. Faut ne pas peur d'ici Libanais. Manchette la map descend ni sous corps. Même j'en fais des balles sous nous. Hein. Même j'en fous le président 12 balles là. Je dis, on va gagner 2 millions haïtiens qui va le foutre au coup de manchette sans grimper. Parce qu'on doit pas payer. Parce que nous n'avons pas de cœur humain. Je dis, peuple haïtien, si on va te griner ou d'accueillir, on va te garçon pas camper. Parce que nous voulons faire nous connaître. Mais si on parle de nous, monsieur. Mais si on parle de nous du tout, non. Mais si on parle de nous du tout, non. Sous seul rapport, on avec nous, oui. C'est à pour de faire l'argent par des petits moyens, oui. Yo touye nous pour faire l'argent, yo kidnappe nous pour faire l'argent. Yo fait nous, yo attendez, yo disparaît nous pour faire l'argent. Yo touye président nous pour faire l'argent. Yo fait spéculation en dollars pour faire l'argent. Yo mette raté artificiel gaz pour faire l'argent. Yo mette gang somatis ap touye moun pour capable faire l'argent. Yo gangsterise pays pour capable faire l'argent. Yo censure porte pour tout net avec gang pour capable faire l'argent. Yo divise entre yo pour capable régner entre yo. Yo divise pour capable assassiner pour capable régner. Plus gain contrôle pays a. Le nexa divisé, c'est plus se contrôler territoire national là. D'ailleurs, tout ça clairement. C'est dans instabilité. Yo générer plus l'argent. C'est dans déstabiliser pays. Yo gain contrôler économie pays, pouvoir politique pays. Les bons jouettes. Ça gagne la nous camper pour nous gommer contre lui. Nous devons camper pour nous gommer contre lui parce que c'est nécessaire pour nous battre avec monsieur. Moi, je te dis ça, nous avons une chance et que nous avons des gens qui sont capables de parler. Nous avons une chance et que nous avons des gens qui comprennent la réalité et qui nous disent exactement ce que nous avons. Nous avons une chance, nous avons des gens. Après Jean-Dominique, vraiment, après environ 22 l'année, qui a rentré dans la cause, qui a donné l'information à Jacques Lié. Et qui va pas mourir, qui font choix. Parce que vous connaissez, effectivement, résultat bataille pays, résultat bataille pour délivrer pays, les gens la mort, les gens prison, les gens marron. Mais effectivement, nous avons prison à l'extérieur du pays, nous avons marron à l'extérieur du pays. C'est tout y'a seulement, il y a beaucoup de nous. Et je ne crois pas que. Là-bas, on peut voir ça. Parce qu'il faut qu'il y ait des gens qui nous
qui pour camper pour nous dire non, le pays n'a pas qu'à continuer à avancer comme ça. Il faut que des gens qui pour dire où est le pays. Il faut que des gens qui pour prêt pour assumer responsabilité dans cette guerre comme situation. Parce que Haïti pas nous, c'est Haïti qui doit gagner Haïtien qui a pensé pour lui pour tout bon. Je dis à vous faire nous connaître que nous sommes capables. Pas gon question bagay, la vie chère tout dollar qui rage comme ça. Si te gen magasin de l'État. Si nous pas de crase magasin de l'État, et bien justement, économie pays n'est pas en dégradé comme ça. En dégradé comme ça. Dollar américain n'est pas dans niveau levé là. Parce que c'est banque yo qui fixe le taux de change dans le pays. Même sur EDA, même sur, alors, pardon, même sur BRH, à mettre taux de référence, c'est chantage qui a fait. C'est nèg yo k'ap contrôler qu'est-ce ba do la parce que yo même yo dit même yo pap kite un grand haïtien capable posséder $1,000 américains. C'est parce que vous avez fait si chaque grand haïtien capable posséder $1,000 américains, et bien y a dit clairement yo clairement yo fait 12 millions multiplié par $1,000 américains, yo ki dans quantité comme k'ap gen nan menou chaque haïtien. Et bien yo font estimation, yo dit minimum faut que chaque grand haïtien a vive à 100 goud à 200 goud dans men yo. Je résume avec ça. Le ça, ou pas de capacité pour faire une semaine à goûter contre vous. Parce que vous avez contrôlé 20 tout. C'est vous qui avez l'eau pour boire. Et vous crasez dîner pas pour vous faire contrôler tout le bagage net dans le pays. Vous avez quitté ça, continuer à marcher. Et mais justement, j'espère que nous pourrons habiter. Non. Bataille, la continuer et ceci à tous les niveaux. Nous avons rentré effectivement dans le dossier ça qui va être sauté. Dossier sanctions. Surtout pour les gens qui sont en drogue. Est-ce que y a pas arrêté monsieur yo? Est-ce que monsieur a pas vivre dans le pays? Est-ce que l'invitation qu'a fait là yo? Est-ce que la continue dans votre question bien dans notre département yo? Ça l'irrité pour nous suivre. Mais entendez, Esaü César qui t'a bail information ça qu'il connaît de Hervé Foucan, il dit que yo pral arrêter pour rentrer États-Unis d'Amérique ensemble avec. Entendez avec de tous oreilles non. Que mon là dans le bacon. Gen mouy pa nan bakod? Oh! Louko de sil! Esaü César! Gebon Ultra. Gebon Ultra, se yon tout nouveau produit ki sorti nan laboratoire. Li la pou combattre sa ou les dysfonctionnement érectile, sa vle di pa kanpe tito. Li gen 15 capsules la dan. Li fait pou pran yon capsule 30 minutes avant al fè bagay. Yon Elisa yon dynamogène action rapide. Pas oublier que li remplace 3 produits Gebon yo parce que li pi puissant. Monsieur Hervé Foucan sera bientôt sous les rues. Comprenez pour moi, sorti. Est-ce que mandat a été exécuté parce que je suis un mandat? Et en fait, Foucan, pas qu'à sortir de la Polésie, depuis que l'industrie a commencé dans le gros business, les États-Unis d'Amérique, par le biais de la DEA, et mettre les gens dans toute activité que j'ai menée. Sorti là. Nous connaissons, selon les dernières informations, tout comme monsieur a batté, où l'on batté? Hervé Foucan, oui? Hervé Foucan, monsieur batté, les Américains, la DEA, qui est toute preuve, selon toute dernière information que j'ai eu, okay. Que monsieur Hervé Foucan, qui sera bientôt sous les verrous, et la justice a demandé, il a déjà demandé, à l'État haïtien pour mettre monsieur à la disposition de la justice américaine pour ce qui est en pile droit qui traversait de la Colombie par le biais d'Haïti et transité par Haïti, et spécialement Birokai, pour aller aux États-Unis d'Amérique. Monsieur Hervé Foucan, t'as gagné madame, t'as gagné six ménages lui-même, madame Larco, madame Sylvanie Larco, ils ont déjà pris décision contre lui. Sortis-moi là. Hein? Louko de Zil. Vous ne pas encore une fois de tout qu'on est. Comment mettre là, dans mon moment d'attente là, qui a traversé bien, qui a fait presque non, qui a traversé bien, le gagné, sous l'autre nom,
gagner une enquête dans le minéral pour malhonter le monde parce que je dis que pas du droit d'une seule mesure contre le monde qui t'a impliqué directement, mais le monde qui t'a impliqué indirectement, qui t'a accepté, par exemple, le cas d'un seul monde qui a déplacé et qui a pris action dans le business qui a gagné, gagner une décision que les États-Unis et le Canada apprennent là pour capable et clouer Mounsayo qui, selon eux-mêmes, t'a impliqué dans le blanchiment l'argent. Il y a des notaires dans le pays d'Haïti, et même il y a des avocats, il y a même des mouns qui n'ont fait de business qui accepté pour blanchir l'argent pour Mounsayo, nous connaissons, maman petite vraiment heureux, à partir du mois de la là, nous devons pas. Nous t'as dit ça, oui, non, mais t'as dit que moi, je viens pas très difficile. Eh bien, nous connaissons, ma parole aussi, c'est la dernière information qui est là, c'est que j'ai un pile de nègres qui commence à saisir là, et j'ai un petit de nègres qui ont épinglé dans le dossier la FedWorld, la FedWorld, la FedWorld, ici, pour ces noms, Canada, États-Unis, eh bien, ils ont commencé à saisir bien mon salon, et même petit, ils ont pas calé l'école. Ok, puis tu ne vas pas à l'école, et parce qu'il y a une décision, il y a maintenant une enquête pour qu'on ait exactement bien que y a gagné sur nous l'autre ligne. Donc ce débat avec un rage, en fait, là, okay. Pas pour vous que nous connaissions, M. Hervé Foucan et M. Ronny Célestin, deux M. Sayo, ils ont déjà dans la ligne pour capable aller joindre DEA, parce que selon les dernières informations, DEA, eh bien, c'est à contrôler M. Sayo depuis combien de temps. Sans le patron, aussi la DEA, c'est infiltré, position, c'est infiltré, espace sanitaire, tout qualité bagage, toute transaction, nous pouvons dire, mais la DEA, eh bien, j'ai toute information, pendant ma parole là, ma parole si nous pouvons dire, et j'ai envie de me poser une question, est-ce que c'est une diversion, monsieur Rusmo, après, parce que selon des informations, ça semblait que ça, monsieur Hervé Foucault, mais qui t'a proposé, monsieur, pour terminer comme commissaire du gouvernement. Alors, des gens qui ont posé des questions pour dire est-ce que c'est la diversion de service après, sous ma invitation que tu as lancée à monsieur Foucault. Mais, ce qui est clair, c'est que j'ai un dossier qui a loin de l'État haïtien pour capable d'effectuer le plus vite possible monsieur Hervé Foucault et Ronny Célestin dans quatre dossiers qui sont classiques pour eux. Alors, comme nous dit que nous connaissons, ce n'est pas fini pour certaines personnes qui ont même tagué une noyosité dans quatre dossiers et blanchiment l'argent dans le pays d'Haïti. Dans le moment où on a parlé là, c'est que le groupe Bidjo a une grosse difficulté. Il y a une grosse difficulté parce que M. Bidjo a effectué la question de blanchiment l'argent, la question de trafic d'âme. Et financement grand, donc ça veut dire que M. Bidjo, nous connaissons un monde qui habite comme des gaz pour les coûts pour le pays d'Haïti. D'ailleurs, il y a un peu de business gaz à travers le monde. Ok. En ce qui est amené là, pour voir comment il est capable de fermer et de mettre contre en bloc M. Bidjo. Donc ça veut dire que vous pouvez dire, les Américains et les Canadiens, selon les dernières pensées, ils vont pas trouver à gosser ça. Et ça, son manque à gagner pour Haïti, pour la gouvernement haïtien, t'a supposé une possibilité pour capable comment le groupe Bidjo, qui est même, alors Bidjo lui-même qui commande gaz pour l'État haïtien, pour le compte de l'État haïtien, parce que c'est plusieurs groupes, c'est plusieurs groupes. Donc, et tout total, il y a une difficulté pour être capable d'alimenter le marché. Dans le moment où on a parlé là. Donc ça veut dire que l'État est là, on situation là, et même pas à partir de la situation ça tout, pour l'autre situation, c'est des compagnies qui vont obligés à demander pour que pour que les consommateurs, alors on dit monde qui a commandé gaz dans la compagnie, pour commander gaz en dollars US. Donc l'État est là, selon le grand monsieur dans l'État, yo, dans le niveau gouvernement, eh bien, prend une position pour que monsieur prenne une position pour respecter les projets de plan d'État, pour que toute commande qu'a fait
en Haïti, tout achat qu'a fait en Haïti, toute transaction qu'a fait en Haïti, c'est un coup de poule fait. Donc ça veut dire que, on voit pour ce coup là, entre les compagnies pétrolières, comme vous dites derrière là, avec les membres du gouvernement, et qui eux-mêmes, quand vous voulez une situation de collision, est-ce que M. Pécoléo va financer une deuxième round de Calais-Bois, de Bois-Calais, okay. Et parce que tous ces éléments, il y a des problèmes, il y a même des bagages, c'est financer la RIA. Mais tout, c'est des conséquences. Donc, les problèmes pour moi, c'est de financer la RIA. Parce que l'État a pris disposition, on va gagner loi à faire des actions en dollars. Donc, ce qui s'est passé, donc c'est le peuple de payer, mais en fait, c'est clair, c'est que l'État a essayé de prendre disposition pour capable de faire monsieur respecter la question. Des transactions en cours de, en Haïti. Bon, nous nous disons, c'est pour dire, question d'eau, là, transaction d'eau, là, et pas pour l'information. Le même délai, on a lancé dans le magasin, c'est un dollar, et on peut y avoir poussé l'homme. Un dollar, oui. Un dollar, et de fait, c'est un dollar. Ok. Très bien. Et nous avons fait notre de ça, c'est suite avec l'ALEM Défense, ma venant, pendant toute semaine, non, pour le week-end qui se passait là, que concernant avec. Alors, invitation que le commissaire gouvernement au Kailan, qui c'est Ronald Richmond, a fait et ancien sénateur Hervé Foucan, que les États-Unis d'Amérique est sanctionné. C'est suite avec les sanctions Sayo, l'accusation Sayo, qui fait comprendre que le sénateur Landouok, tout ça, ok, et bien Richmond a décidé pour que les convoquer. Et bien, quelque part, m'a dit population. Et n'a pas un dossier ça, n'a pas invitation ça sous plusieurs angles. N'a pas analysé sous plusieurs angles. Qui s'est passé? Moi, dis-nous dans un premier temps, nous regardons. Est-ce que Richmond, c'est bon chita que le fait avec Hervé Foucan? Pour planifier sous prétexte que il pensait que le capable blanchir Hervé Foucan dans le pays d'Haïti. Ça c'est la première parenthèse que nous te souligner. Deuxième parenthèse que nous te souligner ensemble avec nous. Nous disons que quelque part est-ce que les États-Unis d'Amérique pas besoin marrer comme si nous c'est pas marrer le pral. Est-ce que États-Unis d'Amérique c'est pas marrer le pral marrer Hervé Foucan et puis le passer par l'État haïtien et puis l'État haïtien au passer par le ministère de la Justice. Des ministres de la justice, ministres de la justice, comme s'ils relèvent vous quand. Alors, pardon, ils relèvent comme ça le gouvernement, qui c'est Ronald Richmond, pour le dire Richmond, et que vous avez invité Hervé Foucan en douceur pour venir répondre à une question du commissaire gouvernement dans le paquet. Et puis, suite avec convocation ça, suite avec invitation ça, n'a pas tout appelé monsieur, n'a pas tout arrêté monsieur. Parce que, gagné. On demande pour arrêter monsieur. Est-ce que c'est pas ça? On t'a avancé plusieurs thèses pour que nous t'es capable de comprendre invitation ça non façon. Mais justement, Naptan, parce que de fait qu'on est que invitation là de boule de fête soit demain si Dieu veut lever 20 si m'batre moins ou du moins 21. Mais Naptan, invitation hein, et le Hervé Foucan rivé dans paquet s'il tourne, n'a pas comprendre raison. N'a pas comprendre n'a pas kebeoun dans parenthèse yo. S'il pas tourner tout, n'a pas possibilité pour kebeoun qui plus fragile toujours. Et suite avec l'information qu'ils ont eu, s'il confirme ça, ou du moins, s'il confirme ça à partir de l'heure, Hervé Foucan aller dans le paquet, si depuis arrêté, ça qu'ils ont eu, justement, information c'est de bonnes informations qu'ils ont eu. Et bien, normalement, je vais dire ça qui est important. Le Sénat de la République, et c'est là que je dis chaque jeune garçon, suspend, perd du temps dans le jeu domino, ça qu'une bagaille n'a pas réglé. Cherchons bagaille pour qu'une fait. Parce que le pays a besoin pour le moment. Haïti besoin, petit. Haïti besoin, petit garçon. Haïti besoin, jeune garçon, jeune femme. Qui pour camper pour lui. Qui pour parler pour lui. Haïti besoin, jeune nio. Qui ont fait peur. Qui ont fait peur pour le politique. Je tiens pour que vous rentrez dans la politique. Haïti besoin, jeune zayo. Je dis à nous-mêmes qui l'a. Nous devons faire un calcul pour nous dire. Si nous gagnons le sénateur de la République, qu'est-ce que c'est le sénateur là-dedans? C'est Lambert, c'est Youri, c'est Beauplan, c'est Don Kato, c'est Edmond Tiblis Bozil, c'est Moïse Jean-Charles, c'est Hervé Foucan, c'est Onis Célestin, c'est pas quelque chose encore. Et puis, vous regardez pour vous, chaque monde qui est sénateur là, ça qui pas dans le droit, il y a tout le monde, il y a kidnapping, il y a toute qualité, ça qui pas honnête. Quand finalement, vous avez dit tout.
comme jeune garçon, ou coupable. Ou coupable par le fait que ou pas jamais te prendre responsabilité ou pour parler avec moun nan zone ou pour comme pour réfléchir avec jeune gars à l'école qui est possibilité ça quand pile l'autre haïtien pas gain si moun yo pas gain pour dire population haïtienne nan moun sa nou wè ki la kap candidat à la présidence là qui va candidat au sénat qui va candidat pour député pour magistrat moun sa pas propre tendez surtout pour candidat à la présidence yo. Comment ça passe ou di population? D'après toutes les formations qu'on gagne, moun sa nan drog. Li juste besoin de couverture légale pour la protéger tête, pour la cacher dans le Parlement. Ça veut dire que le Parlement sont en côté pour que vagabon, voyou, assassin, al cacher. Tout gang kap touye moun nan peyi a, nous avons un grand côté pour le cacher, c'est dans le Parlement. Est-ce que nous comprenons ce que nous disons là? C'est là al cacher. Mais je dis à nous-mêmes comme peuple, nous le dis. Sénat de la République, papillon repère des bandits encore. Chambre des députés, papillon repère des gangs des drug dealers encore. Sénat de la République, son côté, comme si nous avons dit, qui ont paquet sénateur gang, sénateur drug dealer. Je dis, c'est ou même comme jeune dans la Tibonite qui doit mettre pio à terre pour le candidat. Ok? C'est qui doit mettre pio à terre pour le candidat, pour député, pour sénateur. Fok moun go naïf tout, commence réfléchi pour connait que youri fini. Régime a youri la toti a fini. OK? Fok nous émerger l'autre jeune dans politique dans la Tibonite là. Même j'ai tout le de fait dans l'ouest. Dans l'ouest là, me connait que c'est vol, c'est gang, c'est assassin secret là. Mais ou même comme jeune garçon qui dans l'université là, ou même comme haïtien citoyen qui dans majorité silence là, je dis ou doit sortir dans silence pour que vous parlez. Pour parler pour dire que je dis a m'pa quitter vol. Sans sale, tu vagabond, tu restes avec ton côté Dimitri, ton côté Dimitri va mettre dans carton là pour le sénateur encore. Je dois faire qu'on prend responsabilité pour eux, ou même comme citoyen. Pour pas jamais qu'on donne carton encore comme sénateur dans le pays, sont des respectants. Parce que ou pas qu'à un pays où on vit fait. Ou pas qu'en tant que haïtien ou à parler pays et pour quitter donne carton vin sénateur, sont des respectants, sont crime contre l'humanité. OK? Pour pas jamais que ça dans le pays encore. Même veut nous rester cohérent. Moi-même, encore une fois, peuple haïtien, toujours dans ça qui vient pour avec régime de sanctions. Jeudi 19 ans là, dans deux jours encore, c'est après l'ONU qui va réunir autour des dossiers pays d'Haïti. Ils ont annoncé un pile qui choy. Et même j'en étais, ouais, Royaume-Uni, tu as annoncé la couleur, ils te dit nous un pile qui choy. Qui ça va galater? Après que le Canada te fin frappé très fort. Yo prend trois oligarques corrompus qui nan gang nan pays. Et bien normalement, Royaume-Uni ta pral di li même à partir de 28 décembre kap vin la, yo pral pran sanction contre moun kap finance gang nan et contre gang nan directement nan pays d'Haïti. Et yo al pi loin, yo di clairement moun kap finance gang yo, yo pral sanctionner pour que yo pa même ka faire business en dans pays côté qui a financé gang nan. Bon moi même pi bien ouais déclaration que Royaume-Uni ou Britannique là faire parce que si yo ta va empêcher nèg k ap financer gang faire business dans pays d'Haïti qu'on est clairement ou même k'ap gade m'k'ap tande m'la dans diaspora cap bay dollar 50 cap rentrer environ 4 points combien milliards de dollars américains chaque année dans pays a et bien effectivement qu'on a une possibilité jodi là pour que non seulement pour nous faire business machine dans pays a parce que me besoin ça moi même me besoin pour que haïtien jeune haïtien qui dans diaspora rentrer 15 20 machines qui alors machine qui va gagner plus que 7 là ou bien 6 là service non ou bien 5 là non. OK, faut nous suspendre comme si rentrer bogi dans pays a ou du moins comme Haïti. Comme nous sommes loin, nous avons une machine comme si qui a 10 ans de service. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais sauf que, faut que chaque jeune garçon qui est dans la diaspora capable de rentrer en 20, 30, 15 machines, en 50 machines, dépendamment de moi, pour venir exposer, bon là, oui, sans qu'il n'y ait pas de bouler, n'y ait pas de craser, pour vendre ces machines dans le pays. Et là, ça, faut que des banques qui pour là, qui pourra financer jeunes qui n'ont pas de cette activité, qui achètent ces machines, pour aider à acheter machine pour eux et pour payer chaque mois. OK, pour payer chaque mois.
Ça est extrêmement important. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des banques qui pour là, qui pour prêter jeunes yo l'argent, mais il faut que jeunes yo sérieux tout, parce que Haïti, au problème comme si il y a du monde sérieux et il vole là seulement, mais il faut que tout des activités pour nous faire pour nous rentrer cob, pour nous capable payer bill, parce que nous pas gain, nous pas gain assurance pour nous payer, nous pas gain toute bagarre pour nous payer dans machine là, nous pas gain machine pour nous payer. Et compagnie qui vend machine là lui-même, depuis fin coup toucher dans banque là, il va gain rapport avant encore. Là ça c'est banque l'on doit. Mais nous besoin yon économie qui a brassé. Nous besoin l'argent brassé dans le pays à tous les niveaux. Nous besoin l'argent circuler dans le pays. Nous n'avons pas besoin de groupe qui a contrôle économie pays. Tout bagaille c'est yo. Non. Faut que ça suspende. Faut que ça suspende. Faut que moi, tout le monde capable de rentrer dans le pays avec conteneur bagaille yo. Et pas vie fatra non. Faut que nous suspende rentrer dans le pays tout avec vie fatra. Et nous pas besoin. Nous avons besoin de pays en bas yon équipe dirigeant fatra. Nous pas mal continuer à rentrer fatra dans le pays. OK, parce que je dis là, c'est chaque haïtien qui peut mettre dans patte là pour jouer rôle pa yo, pour aider pays pa nous hein, Haïti que nous remet sortir dans ça qu'elle trouve là. Li important. Normalement, ça qui est important encore, gain possibilité là pour que nous redémarrer pays pour tout bon. Parce que me dit nous clairement, n'a prend très au sérieux déclaration que chaque pays ça là pral prend compte nèg que sanctionner. Chaque position que vous prenez, chaque sanction que vous prenez, n'a pas pris le temps au sérieux et n'a pas accompagné la donne. Parce que le résultat, c'est pour nous qui l'a prêté. Parce que c'est nous qui avons kidnappé, c'est nous qui avons vu le petit nous, c'est nous qui avons fait la quarantaine dans le pays. C'est nous qui avons chance ça, à travers des classes que vous faites, mais justement, nous avons exploité ça. Pour nous rentrer dans le pays. Non. Parce que c'est important. Bidjo, pas qu'à faire business dans le pays. Mais il y a plus de millions dans le pays. Les milliardaires. Comment l'État ici a fait de nous récupérer l'argent ça? Le nouvel gouvernement, normalement, qui est légitime dans le pays. Même Jean, ou le comité 100% diaspora, a parlé de l'île. Même Jean, ou comment la plateforme PDH, parti politique diaspora ici, non, avec Mme Jolie, a parlé là. Un gouvernement interdépartemental, avec des gens qui, comme si nous avons une crédibilité dans chaque département. Yo. Avec des personnalités qui sortent dans la diaspora, qui pour une faute transition à court terme, comme si on transition pour 14 mois, comme si en général. Parce que, anyway, on a une transition quand même là. Après ça, on sort de là. Parce qu'Ariel n'a pas qu'à faire élection. Ariel n'a pas qu'à faire élection. OK? Si Blanc, comme si forcer Ariel faire élection, ou Ariel a fait élection, comment Ariel peut mettre CEP sous pied? Est-ce qu'il y a pas faire élection pour vider pour néglio? Est-ce que Blanc est un bon monde que yo préparé là pour mettre président? Nous pas connaît. Sauf que me connaît peuple là président parle là déjà. Pas gars sorti de là. Peuple là président parle là déjà et pas un seul coup de clé la pied. Parce qu'il est habitué faire. Nous pas comprendre quand il aller ensemble avec nous. Et l'autre bagaille est que moi même m'a dit nous ça honnêtement et Joseph Michel Martelly, il y a un petit problème dans le moment. Je ne sais pas comment Martelly a été 2 ans pour le vivre encore. Et toute parole bon pour parler. État moi Martelly a vivre là. Et Jean moi Martelly a pas fini là. Et bien, qui grave, oui, monsieur. Un monde qui t'a les avant, ou à chercher les avel, ou à chercher la Kaili. Dans tout côté lié. Ou rentre pour le prince ensemble avec elle. Ou rentre pour le prince. Parce que ou elle semble avec masse peuple là, ou te prenne pour servir nos marionnettes. Nous goumen, nous met toute force, nous met tout million de yon pour faire le président, pour capable de nous gérer le système. Il est conscient que nous dépenser l'argent, il fait 2 ans, il quitte notre gagoté. Après ça, il dit nous, nous baye peuple en bagay. Pour ça, nous combattons jusqu'à ce que nous arrivions. 6, 7 juillet 2021, nous assassinons. Papa Haïtien, dossier assassinat de Jovenel Moïse là, c'est lui-même, effectivement, qui fait nous comprendre tout ça qui a passé là, qui fait nous voir tout ça qui a là. Pas de sanction si on pas assassiné Jovenel Moïse. Nous classons ça. Blanc Vingori vont côté qu'elle saturé. Dossier Jovenel Moïse a coqué dans gauche lui. Faut qu'ils font bagaille quand même. Et ça pour faire, c'est la vérité pour aider mettre dehors.
pas de porte de sortie. Pas de passe par quatre chemins. C'est aider pour la vérité établie. Parce que blanc qui n'a tout le président. N'a pas caché. Mais justement, go président privé. Gon président qui a monté là comme président des États-Unis d'Amérique, qui a dit rebalancer enquête sur assassinat président d'Haïti. Oui. A bon président quand même. Administration Biden dans quelque part qui doit parler de Bouad là. Qui a rempli le qui influent dans la politique dans le pays d'Haïti, qui dans le secteur privé dans le pays d'Haïti, qui a fait l'orbite international là, dans Washington, pour administration Biden n'a pas traqué. Mais ou qui doit jouer, si Biden président encore, pour le deuxième mandat, ou du moins l'autre monde qui président, et là, l'autre administration, qui a ou la politique là, oui. Et qui a fait très mal pour les oui. Et nous espérons le mal pour continuer mal pour eux. Je dis à nous, cité comme volant, comme chef de gang. Nous devons comprendre. Et concernant ça qui est pour eux, avec dernier note que la coalition d'assassins te met dehors, groupe gang, groupe terroriste qui prend payer un otage là, et mes papas ici, songez que je te dis nous, depuis le fin mois de novembre, je te dis nous, groupe assassin, coalition gang qui est dans le secteur privé des affaires là, ils mettent tête ensemble là pour jouer une entente. En pile là qui pas de parler, en pile là qui te une différence, en pile là qui te mette gang tout partout dans le pays pour faire gang là, à tout le monde, pour camion, pas sortir la fito, comme pour la fito, pas sortir l'autre côté, comme si nous bataille gang avec gang, ça qu'est-ce qu'a victime de la population, n'est-ce qu'on veut mettre tête ensemble. Parce que, il y a eu des informations que le Canada, justement, mettait sur une liste de sanctions. Effectivement, nous, coalition d'assassins, signé notre vraiment. Je dis à la nation qu'on est que 21 volants, 21 mouns, c'est 21 gangs dans le pays d'Haïti qui sont en contreban. Ils qui sont pas, ils ne contrôlent pas quatre secteurs dans le pays, un secteur clé dans le pays. Et qui sont tous les présidents. Ils prennent pressé devant, comme si nous disons, pour blanc capable de faire une volonté, pour mettre, pour en trêve. Mais tout le monde est capable de comprendre. Tout le monde est capable de comprendre. Ça qui sorti, côté le sorti. Ça qui a fait là, qui ça fait que l'a fait. Parce que je dis, Haïtiens comprennent très très bien dans ce que nous trouvons là. Et en pile, l'autre monde a demandé qui ça fait Reginald Boulos pour que sous liste des sanctions, et bien nous dit clairement, en nous 21, en nous 28. Et en nous deuxième lundi janvier. Ou du moins deuxième semaine, mois de janvier, pardon. Et parce que l'important, si il y a sanctions pour tout le monde, Dimitri Vob, Reginald Boulos, Jean-Marie Vob, pas capable de soulever des sanctions. Ou pas capable de mettre Matéli sous liste des sanctions et Boulos pas sous liste, ce qui base. On mette Laurent Lamotte sous liste des sanctions et on va mettre Dimitri Vob, Jean-Marie Vob, criminel Zayo. Non, pour moi-même, pour aucune sanction d'après moi. OK? Et peuple haïtien, il y a plein d'informations qui commencent, qui continuent à venir joindre nous autour de ça qui est pour avec le dossier Guy Philippe. Il y a des gens qui disent bientôt, Guy Philippe a libéré pour tout le monde. Il y a des gens qui disent clairement, bientôt Guy Philippe a libéré pour tout le monde. Moi, je me saisis. Et je ne vais pas nous mentir. En plus, le monde dit si Guy Philippe libéré, est-ce qu'il n'y a pas tout Guy Philippe dans le pays d'Haïti? Je dis qu'il n'y a pas capable. Parce que Guy Philippe n'est pas Jovenel Moïse. Soit Guy Philippe libéré pour un, pour deux, même si il a fait qualité complot. Mais Guy Philippe est un soldat qui est fidèle à elle. Qui est prêt pour mourir, qui ne peut pas me trahir. Et c'est Nexayo qui a venu recevoir Guy Philippe dans les portes là. Gonzami qui m'a dit, à nous repasser déclaration avocat Guy Philippe là dans le pays d'Haïti. Ça me s'était dit, tout le monde dit c'est la vérité. À nous attendre encore, peut-être pour même qui va attendre, n'a pas attendre, mais partager parti ça et partager mission ça. Entendez. Comme nous l'avions dit tantôt, à travers les médias et à travers les réseaux sociaux, nous te promettons ça. Nous te dit sénateur Guy Philippe va rentrer dans le pays très bientôt. Il y a pile monde qui bat jambe croix et il y a pile monde tout qui te dit que il a arrêté sénateur Guy Philippe c'est pour une question de drogue. Ce que nous autres avocats que nous t'ai démenti et nous t'ai venu avec toute preuve pour nous t'ai prouver que sénateur Guy Philippe t'ai prenant un complot. Et aujourd'hui à travers pétition que nous t'ai écrit au niveau OEA, au niveau l'ONU, nous t'ai même écrit
protection citoyen, yon bat ba nou réponse. Jodi an OEA répond nous très positivement. Côté que yon ba l'État haïtien, yon ba l'État américain 90 jours pour yon vin avec preuve tangible qui fait que yon te arrêté Guy Philippe, enlevé li, séquestré et déporté vers les États-Unis. Et nous autres avocats nous te toujours dit, la défaite du droit est provisoire. Et très bientôt, après 90 jours, depuis que le film est expiré, que OEA lui-même lui prend des décisions pour lui demander non seulement l'État haïtien, ce que nous autres avocats que nous avons fait déjà, nous demander l'État haïtien pour dédommager le sénateur Guy Philippe. Et à travers la décision OEA se prend là, ils ont demandé les États-Unis, non seulement pour mettre le sénateur en liberté immédiatement, et ceci pour dédommager le sénateur. Et très bientôt, au cours du mois de janvier, nous pouvons le déplacer, nous venir avec le sénateur, sain et sauf pour nous continuer la bataille, nous t'amener dans le pays. Est-ce que vous pensez que le sénateur est rentré là, il a toujours été candidat au Sénat, comment, dans quel niveau la pays? Écoute, à travers le parquet tribunal civil, Jérémy n'a pas eu aucune plainte. Nous avons un certificat dans au niveau de la DCPJ, il n'y a aucune plainte qui vote contre le sénateur. Même au niveau parquet de Port-au-Prince, il n'y a aucune plainte qui vote contre le sénateur. Songez bien de dire, sur l'administration de Privert, mais il faut monter un complot pour enlever le sénateur. Parce qu'il a estimé que, dans le niveau que le sénateur Guy Philippe a monté, dans le niveau que le sénateur Guy Philippe a fait politique, il faut qu'il y ait un kembel. Et aujourd'hui, nous avons toujours dit, la défaite du droit est provisoire. Aujourd'hui, décision de justice là, est en faveur nous. Et nous allons continuer à mener la bataille au niveau tribunal de première instance de Port-au-Prince, afin que le sénateur ait une justice que nous-mêmes n'avons demandé pour lui. Écoute ceci. OEA qui c'est organisation État américain. Haïti c'est un pays membre. Les États-Unis sont pays membre. Si yo même dans l'examen périodique là, yo prend une décision. Et décision que yo prend sont décisions qui irrévocables. Nous sommes demandé pour mettre monsieur en liberté et on demandé pour dédommager monsieur. Pendant 6 ans que monsieur fait lui passer dans prison aux États-Unis. Donc, pas à sortir de là. Songez bien, m'a prédit nous-mêmes, bagarre encore. La justice élève une nation. Il n'y a pas de société sans loi. Automatiquement, que vous estimez que l'ordre était manifestement illégal, c'est tout à fait normal, je veux dire, qui était causé client préjudice, c'est tout à fait normal pour demander pour dédommager client. Mais est-ce que vous avez une liberté provisoire à l'autre bord, sinon vous toujours dit la prison? Il y a une liberté provisoire. Et le 6 janvier, nous avons tout document au nom de nous déjà. Le 6 janvier, il y a mis Guy Philippe en liberté. Et le 7 ou 8 janvier, sénateur Guy Philippe a rentré dans le pays. Et ceci, n'a pas entré avec lui et n'a pas continué à mener la bataille. Et je dis là, nous avons une situation côté que le pays n'a pas dirigé. Pas de personne qui a fait rien pour le pays. Matin, on va pas de ma fini là. On prend un bloc qui sont près de 2 heures de temps. Pour qui ça? Parce que il y a pas de gaz. Sous prétexte que pas de gaz, il y a de gaz encore. Pour y remonter gaz. C'est parce que nous n'avons pas de dirigeants. Nous n'avons pas de monde qui a pensé pour nous. C'est pour l'une des raisons. Après retour, sénateur Guy Philippe, nous allons continuer à mener la bataille pour nous essayer de changer. Non seulement, monde qui était autodéterminé, qui était voté sénateur là dans le grand sens, mais aussi changer la situation monde qui a vu à travers 10 départements pays. Si l'État supposé dédommager un sénateur, sous qui forme, pour dire ce qui se va acquitter, il peut être serment comme sénateur. Écoute. Prestation de serment son protocole. Et nous t'es clair. Nous t'es dit, au regard de notre constitution, au regard de l'article 247, je dis tout clairement. Au cas où élection organisée en État, sénateur ou député qui élu automatiquement que KEP a délivré le certificat, lui automatiquement sénateur, lui entré en fonction. Lui pas besoin pour prêter serment. C'est-à-dire que sénateur Guy Philippe automatiquement débat résultat, lui est entré en fonction. Donc, prestation de serment, c'est un protocole que lié. Je dis, si lui-même, lui pas exercé droit, c'est l'État haïtien qui t'a enlevé. Si l'État haïtien t'a enlevé, donc il doit le salaire, frère, émolument et tout autre avantage que un sénateur doit jouir en tant que sénateur de la République. Donc, sénateur Guy Philippe, c'était un sénateur en fonction de l'Angleterre. Un sénateur en fonction. Et je veux dire, je crois que dans la bataille que nous allons faire contre l'État, nous sommes dans l'échange d'écriture que nous avons avec l'État. Je te même fait nous croire que Haïti a signé un accord
avec les États-Unis quand on a déporté tout Haïti. Et m'a dit clairement. Et pour tout le monde qui a déporté illégalement dans le pays. Et ceci, je joue une des ministres vers eux, je joue une des substituts ou des commissaires vers eux, parce que nous avons fait action. À quoi que Préval te signé avec Mme Albright en 1997, il n'a pas dit que nous avons déporté un Haïtien. Il a dit seulement clair, pour aider les États-Unis gourmets contre trafiquants de drogue, les États-Unis qui ont intervenu seulement en haute mer. Et ceci, il faut des flagrances. Est-ce que vous avez arrêté le sénateur Guy Philippe sous la mer? Est-ce que vous avez arrêté le sénateur Guy Philippe en flagrant délit avec drogue dans la mer? Nous voyons que c'est nos émissions que vous avez sorti à travers Radio Scoop et puis sorti, nous n'avons pas pu mettre mes souliers. Je dis, regardez l'article 8-1 Constitution, l'article 41 Constitution, il dit que pas grand que Haïtien qu'on a forcé pour déporter pour quitter le pays, sous aucun motif. Et là, aller plus loin, il dit quel que soit accord, traité, convention que Haïti a signé avec le pays, il n'y a pas placé au-dessus de la Constitution. C'est très bien. Et c'était un avocat Guy Philippe, dans le pays d'Haïti, effectivement, qui était. Fait déclaration ça et ça qui est pour avec Guy Philippe qui gagne pour rentrer dans le pays. Et normalement, peuple haïtien, m'a dit nous ça honnêtement, dossier ça son dossier qui n'a pas suivi de près, et gan pile parole qui parlé, gan pile et cause qui a dit, mais nous dit clairement, n'a pas été informé sur tout ce qui a passé dans quatre dossiers, parce que n'a pas été connecté pour nous gagner toute information, surtout dans ça qui est pour avec dossier ça. Et l'autre point, yo, c'est exactement Naptan pour 21 décembre, qui ça, Conseil de sécurité des Nations Unies, a dit, parce qu'il y a deux jours encore, Nap 21, qui ça, a dit, qui ça, 28 décembre, Kapina, est-ce que les Nations Unies a tout fait, et fait pour te bourrer, pour le faire, ça que ça, Royaume-Uni a fait, et 28 ans, est-ce que l'a tout fait? Et 21 kap vin la. Parce que honnêtement, moi-même pas qu'attendre pour me tendre que yo mette Dimitri Vop sur une liste de sanctions et que pour yo passer à l'action, yo frise à 40 li, yo saisi bien. Ça m'a pas qu'attendre ça. M'a pas qu'attendre pour yo prendre Reginald Boulos pour yo mette sur liste de sanctions. Yo saisi à 40 li. Vous comprenez ça, M. Julien? Et puis, saisi bien. Volo ça, vous entendez à tout. Et puis, puisque yo dit yo c'est haïtien, déporté yo voye dans le pays d'Haïti, le ça, 2 millions moun na kwa zave yo avec manchette yo, le ça, peuple la, kon sa fassam ave yo. Parce que c'est des criminels notoires, c'est des assassins, nous va quitter moun sa continuer à vivre dans le pays. Je dis ya comme haïtien conséquent, comme petite Dessaline, comme nous même, comme peuple, il faut que tu pourrais habiter nous. Nan sa gine pour avec dossier sanction. Gine en pile parole, kap parle la République. Oui, pour ça. Et Laurent Lamotte, te choisi. Continuer à parler de ces sanctions. Et moi, c'est seul monde qui décide pour questionner le régime de sanctions que le pays Canada prend. Il dit qu'il a défendu la mode. Il a défendu la tête. En entendant que Salomon Lamotte te dit, ne t'y parle qu'il t'a fait avec le journaliste Gary Paul Charles dans la Coupe d'Haïti suite avec les sanctions que le Canada prend contre lui. Parce que ça, c'est important. En entendant, Laurent Salvador Lamotte. Parce que il y a un pile monde qui est sanctionné là, moi, je n'ai pas qu'à parler. Mais la mode choisit, continue à parler. Andade. Nous parlons. Donc, pour question matérielle, vous vous dites, nous voyons que nous avons un film qui a fait ça. Mais pas parlé de ça hier dans l'interview de la bonne américaine. J'ai parlé de cela. Depuis hier, Jovel Moïse Moui, depuis tout ça, je n'ai pas gagné contact ou relation avec le président Matéli. Reprenez pour nous, s'il vous plaît. Pardon? Reprenez pour nous, Sodia. Il dit que, depuis la mort, Jovenel Moïse, et bien avant, depuis que nous avons quitté le pouvoir de nous, après nous avons fait un bon bout de temps, nous avons parlé. Ensuite, nous devons parler. Et puis, après la mort de Jovenel Moïse, hein, depuis tout ça, je n'ai pas gagné une relation, pas gagné un contact avec le président Michel Mabé. Est-ce que c'est où? Zéro qui, contact. Est-ce que c'est où Papa Lavelle, ou du moins où elle n'est pas répondre, ou du moins c'est lui qui parle, ou bien c'est où prendre décision par rapport à ça qui dit sous question ça, ou pas parler avec elle?
Non, je pense que même si on a souvent un bâton, même si il y a des chiffres de attitude que M. Martel était gagné. Alors, pas oublier, parti qui commençait, Laurent Salvador Lamotte a parlé de désaccord, du moins, désaccord que lui-même a gagné, ou du moins, c'est façon que Laurent Matéli campé dans sa qui est pour avec dossier assassinat Jovenel Moïse, et que lui-même, ça n'a pas fait bien, il prend distance avec Matéli, il sentit que Matéli pas doué camper comme ça, Matéli c'est le meilleur monde qui est mieux placé, qui peut camper, qui peut batailler pour la vérité, dans sa qui est pour avec dossier assassinat Jovenel Moïse. Mais ma petite PM Lamotte tout clairement, et que. Michel Matéli, effectivement, il confirme noir sur blanc et que c'est lui-même qui fait touiller, qui bat touiller le président Jovenel Moïse. Matéli n'a pas jamais à l'aise ensemble avec vous, Matéli n'a pas jamais bien ensemble avec vous. Ça veut dire que il n'a pas besoin là. Pour le besoin, il faut que tu fasses silence tout. Il faut que tu ne parles pas tout. Il faut que tu ne parles pas. Il faut que tu ne parles pas de justice tout. Parce que n'a pas besoin de parler de justice. Et comme si tu ne parles pas de justice pour Jovenel Moïse, c'est un crime qu'on fait. Son crime qu'on fait de pour dire la vérité dans sa guerre pour avec assassinat Jovenel Moïse, son crime qu'on fait. N'est-ce que vous avez fait en tant que PM, la mort toujours qui a intervenu dans le cadre de ça. La question, la mort toujours là, ouais, mais d'ailleurs, parce que pour moi, même, vous avez son nom, juste au dire, vous supportez le président de la République, il y a le sous-balai principal qui s'était acheté là, et puis, n'est-ce que la mort, et puis, t'es acheté là avec. Président, il prend une attitude de rester en silence. Donc, moi-même, pour moi-même, je ne pas trouver de bonheur que le président n'ait pas défendu la justice pour lui. Donc, je suis allé. Ok. Nous allons finir. Quelques questions éclairs, Père Lamotte. Est-ce que vous avez intention de venir retourner participer à une activité politique en Haïti, à un niveau ou à un autre? Ça fait 8 ans que je suis en question politique en Haïti. Ça fait mal en tant que ça. Comme haïtien, comme patriote, comme un grand pays. Ça fait mal parce que moi qui j'ai état pays, ça fait mal. Ça fait mal de voir que je ne quitte là à l'un des médias. Comme haïtien, comme patriote. Mais pas rien, aucune intention, ça va être ici pour que je vienne retourner dans l'arène politique. Même parce que je servi, pays, même ça me dégage, tout ça me dégage pour stabiliser le pays. Ça va être ici, ni de près, ni de loin, comme d'habitude, retourner. Dans l'arène politique pays. Et ça a rendu plusieurs fois et nous continuons encore dans le coup d'FM de mes jours. Il y a un pile de qui passe dans le pays. Il y a un pile de monde nous remarquons depuis sous René Préval. C'est-à-dire, tout le monde qui passe dans l'État, il devient extrêmement riche. Donc, le pays n'a pas jamais sorti. Est-ce que quelque part, ou même on a confirmé que comme si. Ou t'es échoué dans tes premiers ministres, ou du moins ce bagaille de positif qu'on t'a fait pour le pays et qu'on a dit, mais ça m'a quitté. Bon, là c'est que ça, c'est choix, peuple là pour eux. On peut être en bas de compte, on peut être en bas de tente, on peut être prêt à kidnapping, on peut être sous l'insécurité, on peut être écrasé, juste dans le jour, on peut être aéroport écrasé, aéroport au cas. Pour appréhender, parce que toute place publique, si nous sommes bien place Boye, place Saint-Pierre, c'est 35 000 personnes là, mes amis, nous mettons même, nous mettons pas même, ça c'est choix politique, pas non. Mais au moins reconnaître qui ça. Ok. Rien de ça va répondre. Il y a son article, bon, pour la population lui-même, il est bon ça. Qui ça va dire, société civile là? Qui ça va dire avec monsieur qui fait partie de l'élite économique pays là? Qui ça va dire à classe politique là par rapport à misère population, hein? Par rapport à en tant que consensus qui n'est pas joindre? Qui ça va dire comme mot de réconfort?
et qui est-ce que gon discours, gon parole que ou capable dit pour au moins aider nous sortir d'une situation de misère que nous vivons journée aujourd'hui, monsieur le Premier ministre. Parmi les gars, c'est que nous, ouais, qui j'ai chiré tout là, qui j'ai cannibalisation de l'autre, parler mal, bail fora pour ce monde, attaquer l'autre, nous, ça bail. Nous, ça fait pays. Pays en bas du côté, en bas de la rue, avec un bagan. Pour moi, nous, on la mort. Moi, je pense que seul Jean, et ce n'est pas qu'à un discours pour eux, seul Jean, pour nous sortir de la question, c'est que nous créons une situation minimale de sécurité pour permettre au peuple de faire choix à travers une élection libre et libre pour mettre nous-mêmes un président. Parce que pour moi, peut-être que je me trompe, parce que ma bonne petite bagarre, c'est l'opinion, c'est conviction personnellement. C'est la majorité du peuple haïtien qui doit choisir son leader et son gouvernement. Et ça, faut le faire avant et créer une situation minimale de sécurité pour permettre cette là. Choisi, mon que le jeu est mais même ça fait consacrer moins une résolution ultime, parce que bon, il y a question constitution, bon, pas qu'il y ait obstacle à ça tout, mais la résolution ultime du problème, c'est un, suspendre chirépique, suspendre vous mener ma clope, suspendre prolifération des accords, des désaccords, des accords, des pas d'accords, de ceci, de cela. Comprendre que, accord à fond, tout le monde d'accord, que le peuple a, il peut choisir de la mettre là, avec des élections libres, honnêtes et démocrates. Et nous devons ça. Donc, tout est fois, c'est la route d'ailleurs. Mais si j'ai le président Jovenel, qui a été 6 mois, nous étions à 2 semaines de son référendum pour une nouvelle constitution. Nous devons l'empire, nous devons l'envoyer la belle constitution, ceci, cela. Mais si nous avons une constitution, ça a proposé, c'est une conjugaison de 3 rapports que le Tébaïo, de 3 commissions présidentielles que Préval, qui fait ensemble avec des députés de l'État, qui fait son excellent travail de constitution, là, dans le Parlement. C'est une conjugaison de 3 rapports qui est venu par ça que le président de l'État, à l'époque, nous ne sommes pas d'accord, mais au moins, c'est bien un. Une lumière qui peut allumer cette question-là. Donc, qui va se passer? Je dis à la je dis à ma même condition possible encore. Mais au moins, aller mettre un minimum de paix, de non-violence, dans le pays-là, pour permettre que Haïti rejoigne la grande famille démocratique. Parce que nous sommes le seul pays, pratiquement, dans le Caraïbe-là qui font ça, qui j'aime venir là. Merci beaucoup. J'aime ça dire là, le mot de la fin, Gary. On ne peut pas oublier que mon président qui a assassiné, que beaucoup de gens qui assassinent, que le monde qui finance le lieu, le monde qui paye le lieu toujours dans la rue. Donc, ma petite avec mon passé spécial au président Jovenel Moïse, qui a payé de sa peau. Pour les changements qu'il voulait faire pour la patrie. Très bien. OK. Donc, merci beaucoup, Laurent Lamotte, parce que tu as accepté de répondre à une question. Merci, Antoine Gary. Merci, tout petit là. OK, au revoir. C'est un grand plaisir pour Marie aussi. Auditoire. Merci à vous. Donc, c'était Val et Campagne. Yeah. Très bien. Et moi-même, il était important pour que moi te fasse un petit temps de ça ensemble avec nous. Après-midi, il y a un gros show, une grosse émission. Une émission qui est chargée. Une émission qui a chauffé. Vous comprenez? Une émission qui va le cœur sauter tout. Et un pile dossier, un pile point pour le débattre.
surtout dans ce qui est pour avec l'assassinat de Jovenel Moïse. Ok, il est extrêmement important. Ok? Et je vais casser rendez-vous avec nous pour l'après-midi pour notre émission qui va passer sur la plateforme Banoa, qui est la plateforme YouTube Info Beto. Je vais vous dire que je vais vous pile et c'est vraiment un plaisir pour moi pour que je vous avec nous dans cette émission ça. Et qui c'est qui passe sur la plateforme Banoa, qui est la plateforme YouTube Info Beto. Que vous avez la balague, je vais vous dire que je vous rendez-vous après-midi.